Il y avait une fois un champ de bataille abandonné qui avait été témoin de l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire. Depuis lors, les gens avaient peur de s'aventurer dans cette zone. Les rares personnes qui osaient y pénétrer racontaient des histoires d'horreur sur des esprits tourmentés et des spectres qui hantaient les lieux. Un jour, un groupe de jeunes aventuriers décida de passer la nuit dans le champ de bataille pour voir s'ils pouvaient trouver des preuves des histoires d'horreur. Ils ont installé leur campement à proximité des anciennes tranchées, dans l'espoir de trouver des artefacts de guerre. Au début de la nuit, tout allait bien. Les aventuriers ont allumé un feu de camp et ont commencé à raconter des histoires effrayantes les uns aux autres. Mais bientôt, ils ont commencé à entendre des bruits étranges qui semblaient venir des tranchées. Les bruits se sont intensifiés jusqu'à ce qu'ils entendent des cris et des gémissements de douleur. Les aventuriers ont tenté de se convaincre que c'était leur imagination, mais les sons persistaient. Finalement, ils ont décidé de vérifier les tranchées pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés à la tranchée, ils ont été horrifiés de trouver des cadavres en décomposition qui semblaient être des soldats de la guerre. Les corps étaient mutilés et laissés pourrir dans la boue. Les aventuriers ont immédiatement compris qu'ils étaient tombés sur un champ de bataille qui n'avait jamais été nettoyé. Ils ont essayé de partir, mais ils ont réalisé que quelque chose les empêchait de quitter les lieux. Ils ont commencé à entendre des murmures et des chuchotements dans leur propre langue, comme s'ils étaient entourés par des milliers d'âmes tourmentées. Les aventuriers ont compris que les esprits de ceux qui étaient morts sur ce champ de bataille étaient piégés ici et cherchaient à se venger. Les aventuriers ont essayé de fuir, mais ils ont été poursuivis par des spectres qui semblaient sortir de la Terre elle-même. Certains avaient des plaies béantes, d'autres avaient des membres manquants. Mais tous semblaient être animés par une rage et une douleur qui les rendaient encore plus effrayants. Finalement, les aventuriers ont réussi à s'échapper du champ de bataille, mais ils ont été profondément marqués par leur expérience. Ils ont compris que certains lieux étaient maudits par le sang et la violence, et qu'il ne fallait jamais sous-estimer la puissance des esprits tourmentés qui y résident. Depuis lors, ils ont raconté leur histoire à tous ceux qui voulaient l'entendre, avertissant les autres de ne jamais s'aventurer sur ce champ de bataille abandonné, car les morts ne dorment pas en paix.